Équipe d'Algérie, Belmadi impose un huis clos pour les prochains matchs. L'équipe d'Algérie de football se rendra à Lomé, la capitale du Togo, pour son stage pré-compétitif en vue de la CAN 2024, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes de Côte d'Ivoire. Durant ce rassemblement, Riyad Mahrez et ses coéquipiers disputeront des matchs amicaux contre les sélections du Togo et du Burundi pour peaufiner leur préparation. Cependant, ces rencontres se joueront à huis clos, une décision prise par le sélectionneur national Djemel Belmadi, visant à protéger la confidentialité du dispositif tactique de l'équipe en vue de la CAN 2024. Cette mesure vise à éviter que les adversaires, notamment l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie dans le groupe D, n'aient une vision détaillée de la tactique algérienne. Les sparring partners ont été choisis parmi les équipes non qualifiées à la CAN 2023. L'équipe d'Algérie dans le groupe D avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie jouera la phase de groupe à Bouaké, à environ 350 km au nord d'Abidjan. Les matchs du premier tour comprennent des affrontements contre l'Angola le 15 janvier, le Burkina Faso le 20 janvier et la Mauritanie 3 jours plus tard.